She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Les choses, allez lui poser la question à ceux qui vous ont dit des choses. Ne venez pas me demander quelque chose si j'ai rien à vous dire par rapport à ça. Donc si, de grâce, vous pouvez m'éviter ça, franchement... Ça. Wow. Ne me posez pas de questions. J'ai pas mis quelque chose quelque part, j'ai rien dit du tout. Donc c'est pas à moi de venir de poser des questions. Si vous voulez savoir quelque chose, allez vous demander, mais allez poser des questions à la personne qui a dit quelque chose. C'est pas à moi. Donc venez pas m'envahir ici, sinon, franchement, je suis très calme depuis que je parle pas, mais voilà. Ne posez pas de questions sur quelque chose, je veux juste discuter avec mes abonnés. TikTok là, j'avais ça depuis longtemps, je parlais avec des gens quand je faisais mes lives, je discutais avec mes abonnés. C'est le même truc que je veux pas des questions à la con ici. Si vous avez des trucs, des comptes, allez-y demander à la personne qui vous a dit, je sais pas quoi. Donc ne venez pas m'envahir. C'est tout. Moi je veux juste parler avec les gens qui sont abonnés à moi. C'est tout. Mais tant si tu es abonné à moi par rapport à quelque chose, tu te désabonnes, tu quittes là, c'est tout. J'espère qu'on a bien, c'est bien compris là. Hello, hello la famille, bonjour à tous, je crois que vous portez bien ce matin, moi je me porte à merveille. Bienvenue sur votre page Buzz Promas, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Nous venons tous ensemble de suivre cette vidéo de Noé et je vous assure que ça me fend le cœur. Au départ, quand Diana a annoncé à Mondo Vision que leur relation était finie, je me disais que non, ça c'est juste du buzz et tout ça là, peut-être qu'ils nous préparent une autre surprise et tout. Donc vrai que la relation s'est finie, mais sincèrement la relation du méta, c'est moi je veux plus mettre les organes. C'est d'abord comme ça que ça s'est passé avec Axel, Meryl et Kimi. J'ai mis les poumons, j'ai mis les organes. Aujourd'hui on a juste les yeux pour pleurer le gommeux. On veut toujours qu'ils soient ensemble. Mais Noé et Diana récemment, s'ils nous faisaient rêver ici, quand elle est partie en France, il s'appelait oh ma bataille, il était dans la bataille de quoi? Petit problème, on n'avait même pas pu gérer la bataille là et c'est fini vraiment. Les histoires du méta, si ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais je pense que les deux étaient amoureux, les vidéos étaient tellement sensuelles et tout ça là. Et puis, subitement, c'est fini comment? Comment? Vous aussi, vous m'avez fait ça. Oh là là, c'est vraiment décevant. En France, partout là, Diane est partie voir sa famille. Ils étaient au stade de Bordeaux ensemble. Je me disais que quelque chose de bon pouvait se produire dans cette relation-là. Mais même pas quelques mois. Pap, c'est fini. C'est fini comme ça. Regardez comment Noé s'exprime déjà par rapport à Diana. Ça me fait vraiment mal au cœur. Pareil pour Diana. Ou c'est l'immaturité, ou c'est quoi, mais sincèrement, non. Quand vous savez que votre couple n'est pas encore solide, ne venez pas afficher ça sur le méta. Ça ne vaut vraiment pas la peine de tout le temps dire les mêmes prières pour les couples qui vont finir. Je ne sais pas qui a tort dans la relation, parce que généralement, moi, je ne peux pas prendre le parti. Je ne peux pas dire non, je prends le parti de ma sœur Diana parce qu'elle est camerounaise comme moi. Non, non, non. Dans une rupture, il faut toujours suivre les deux personnes avant de tirer la conclusion. C'est comme ça, là. On ne s'appuie pas sur un côté. Mais là... Sans vous mentir, vous deux là, vous m'avez vraiment déçu. Je vous croyais très amoureux que ça. Mais je me rends compte que c'était juste une relation virtuelle. Vous êtes mieux en virtuel qu'en réel, c'est ça. Parce que juste après le réel, où ça doit être soudé, vous décidez de vous séparer, ça sert donc à quoi? Peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, il n'y a pas assez de maturité, mais. Ou bien assez de compatibilité quoi, mais ça me déçoit quand même, ça me déçoit beaucoup parce que je m'attendais quand même mieux du couple ici là. On m'avait beaucoup fait rêver, j'étais très contente de leur couple, même quand certains me disaient non ça va pas marcher, moi je disais ça va marcher. En tout cas c'est le méta, on est là, on attend la suite.